Good morning, Anna Lydia, les suivants aujourd'hui le Nishmat, Adèle, Bat Sol, Tarab, les Bat Vanish, Charlie, Shalom, Benjamin, Sarah, Dov, Ben Yudith, ainsi que deux fois, tous les vaisseaux de Shimon, Ben Chayester, Ramchin, Ramat, Rosalena, et Benjamin, Ben Chayester, Vator, Shachar, Israël. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines études de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions à Sechet Ovin, Pek Dalet, Mishnah Yudalef. Mishnah Tzachut, Salat Choum, Afilu, Amma Achat, Loi Kanes. Abel Yazer Omer, Shtaim, Kanes, Shalosh, Loi Kanes. Deux sujets dans notre Mishnah. D'abord, bon, vous avez bien assimilé depuis le temps les notions de base de Hérouvin, de Hérouvé Troumin, les Troum. Chaque personne, le Shabbat, il a sa place, qui sont ses 4 amotes, où ce qui se trouve, et autour des 4 amotes, il rajoute sur sa 2000 amas, qui sont Troum. On avait appris une notion importante qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, qu'il y a des avis ou des situations où il faut avoir intention d'acquérir les 2000 amas, parce que si jamais je me plante, je me trompe, on avait vu un cas où je suis en train de dormir, on va découvrir un autre cas encore, et certaines situations, finalement, je vais être obligé de rester dans mes 4 amotes uniquement, parce que je n'avais pas d'intention de rester ici, et malgré moi, je vais rester là. Et bien dans ce cas-là, j'ai 4 amotes, mais je n'aurai plus les 2000 amas autour. D'accord? C'était la notion essentielle. Avec, je rappelle encore une autre machloquette qu'on va tout de suite voir dans notre Mishnah en fait, une petite machloquette, à savoir, on a dit chacun il a sa place et autour de sa place il a son troum. Sa place qui est 4 amotes sur 4 amotes, on avait vu plusieurs manières de le calculer. Est-ce que c'est 4 sur 4 et moi je suis au milieu? Ou est-ce qu'en réalité c'est 4 amotes sur 4 amotes, mais 4 carrés de 4 amotes sur 4 amotes, donc ça va faire 8 sur 8. D'accord? Il y avait encore un autre avis qui me permettait de prendre 4 amotes où je voulais. Et voilà. Du coup, je commence à traduire la Mishnah et on va expliquer au fur et à mesure. Mishé Yatzar Chutz la Troum, celui qui est sorti le Shabbat au-delà du Troum de Shabbat. Il n'a pas fait attention, il s'est laissé aller. Et il est sorti en dehors du Troum de Shabbat. Afilu Amma Achat, même une seule Amma. Loïkanes, il ne pourra plus rentrer dans la ville, il va devoir rester là-bas sur place, dans ses 4 Amot, sur place. Il aura le droit d'avoir 4 Amot à la ronde. Mais il ne pourra plus rentrer dans le trône de la ville. Il ne pourra plus revenir à sa place. La Gemara raconte d'ailleurs à un Mora qui était en train d'étudier, de penser comme ça, Bidmoud, et il marchait, et en train de réfléchir, et d'un coup, il a remarqué qu'elle était en dehors de la ville. La Gemara a proposé quelques petites solutions pour éventuellement contourner des solutions qui sont très difficilement réalisables. Mais en général, c'est les sorties en dehors du trône, il ne pourra plus rentrer. Il n'est pas sorti pour une mitzvah, on avait vu que celui qui sortait pour sauver quelqu'un, il avait quelques permissions. Là, il n'y a pas. D'accord? Et voilà. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer Shtaim, Ikanes, Shalosh Ikanes. Rabbi Eliezer me dit, attention, non. S'il est sorti jusqu'à 2 amot, on peut fermer les yeux, qu'il rentre. 3 amot, il ne pourra plus. Rabbi Eliezer, s'est fondé sur 2 points. D'abord, une notion générale qu'est la Rabbi Eliezer, que Troumin, Miltaï. Comment expliquer ça? De manière générale, on a dit, là où tu te retrouves, tu auras toujours 4 amotes autour de toi. Selon Rabbi Eliezer, il me dit, ben, tu sais, 2 minutes, pendant Shabbat, tu avais déjà le droit de marcher jusqu'à 2000 amas. Lorsque tu te retrouves en dehors, tu es sorti jusqu'à une amas dehors, par exemple, tu as 4 amotes autour. Il s'avère qu'il va y avoir maintenant les deux troumines, tu as ton nouveau troum et ton ancien troum qui vont se rencontrer. Dès qu'ils se rencontrent, ça t'ouvre la porte pour maintenant repartir chez toi. Alors, du coup, Rabbi Eliezer va me dire, si tu es sorti à 3 amot, que maintenant, Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'on a rappelé Rabbi Eliezer me disait, 4 amot, c'est tu es au milieu, donc tu as 2 amot autour de toi. Si tu es sorti autour de 3 amot, il s'avère que maintenant, ton nouveau troum de 4 amot sur place, il ne va plus entrer en interférence, je ne sais pas comment dire, il ne va plus rentrer dans le domaine de ton troum. Alors là, tu restes bloqué dans tes 4 amot. Mais si toi, tu n'es pas tellement sorti, finalement, tu es encore à proximité, tu n'es pas loin. Et de manière à ce que maintenant ton nouveau troum, il rentre dans ton ancien troum, eh bien, ça te permet de rentrer chez toi. Donc, une amas, deux amas, c'est permis, 3 amas, ça devient interdit. Ok? Et Chachami, il pense que les troumines ne vont pas s'allier pour te former un seul grand troum. Puisque tu es sorti de ta ville, tu as quitté ton ancien troum et tu te retrouves avec un nouveau troum. Entre parenthèses, la Gemara, elle nous apprend. Rabbi Kevigar mentionne une Gemara intéressante. Qui disent que Chachamim, dans certains cas, celui qui est sorti pour un besoin de mitzvah, il pourra rentrer, il aura la même permission que Rabbi Eliezer. D'accord? On n'est pas foncièrement en discussion contre Rabbi Eliezer. On reconnaît
l'idée de Rabbi Eliezer, dans certaines situations, mais pas complètement. Selon Rabbi Eliezer, ça marche toujours. Deuxième partie de la Mishnah, Mishir Shir Chutz Latrum, Afilo Amachat Loikanes. C'est un peu la même idée finalement. Il y a marqué Mishir Shir, celui qui a la nuit, elle est tombée, Chutz Latrum, il est en dehors du Trum, Afilo Amachat, même une seule Ama, Loikanes, il ne pourra plus entrer dans la ville. Soit, il a fait tout fait pour courir pendant le Shabbat, et la nuit, elle est tombée quand il était à un pas de rentrer dans le Trum Shabbat, mais il n'est pas rentré dans le Trum. Ben, la Mishnah me dit, rien à faire. Tu devras rester à ta place. Je n'ai pas vérifié, lire apparemment, c'est pas selon Rabbi Eliezer, j'imagine. Selon Rabbi Eliezer. Ah non, non, ça marche même d'après Rabbi Eliezer, bien sûr. Aucun. L'idée est très simple. Rabbi Eliezer, il a dit, quand j'avais déjà le troum de la ville, alors si maintenant j'ai un nouveau troum, les deux troums vont rentrer en interférence et ça va me permettre d'entrer dans la ville. Là, j'ai jamais été dans la ville. Donc, j'étais en dehors de la ville. Je marche. Je peux avoir que mes 4 amotes. Donc, je serai bloqué sur mes 4 amotes. Éventuellement, peut-être mes 2000 amas. C'est précisé, je crois, j'ai vu dans le partenariat qu'il aura pas les 2000 amas, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, il ne pourra plus entrer dans la ville. Ok, il n'aura que ses 4 amotes pour rester sur place. Ça, c'est l'avis de Tanakama, le premier avis. Rabbi Shimon, sur ça, il va m'apprendre une halakha très particulière. Rabbi Shimon Omer, a filou chamesh esre amot. Sache que même s'il avait jusqu'à 15 amas, on peut fermer les yeux et lui dire, ikanes, qu'il entre. Pourquoi? Tel que c'est écrit dans la Mishnah, Shen amashochot mematzin et amidot. Car ceux qui mesurent, les matzot mida ne prennent pas la dernière limite de la mesure. Mais pene atoin à cause de ceux qui se trompent. J'explique, les matzot mida, c'est mesurer exactement, avec exactitude, précision. Le Rabbi Shimon va me dire, tu sais, sache que, d'abord, il faut bien comprendre un petit peu, à l'époque, on marquait concrètement où se trouvait le troum de Shabbat. Ça n'existait pas de sortir de la ville et de ne plus savoir où se tourner. La plupart des villes, on avait là-bas, on avait mis des poteaux et des panneaux en disant « Atkan Troum Shabbat ». On ne peut plus sortir au-delà de Shabbat. Maintenant, ça a été fait par des gens qui ont mesuré. D'ailleurs, le prochain tarik qu'on va voir, accrochez-vous, on va découvrir des choses très originales là-dedans. Troum de Kessan Me'abrin, on va apprendre comment mesurer le troum de Shabbat. C'est assez complexe. Alors, donc on avait des professionnels de la mesure. Le Rabbi Shimon m'enseigne, tu sais, les mesures qu'il prenait, il ne prenait pas des mesures exactes. Il ne prenait pas avec mitsouï, avec digdouk, avec précision, grande précision. Non, ils avaient un petit peu de lest. Et en fait, tu saches qu'en réalité, depuis l'endroit où il y avait le poteau, le panneau, sache que concrètement, il y a une zone grise. Que si tu es sorti, on ne va pas te permettre de rentrer. Mais si tu n'es pas encore arrivé dans la ville, on va te permettre d'entrer dans la ville si tu es dans cette zone grise qui s'étend jusqu'à 15 amas. Le Barthénora nous dit qu'il ne sait pas pourquoi il y a 15 amas, mais c'est très étonnant parce que Rachid explique merveilleusement bien pourquoi il y a 15 amas. Ça se passe comme ça. On apprendra dans la prochaine Mishnah que lorsqu'on fait un calcul, ça, je vais vous faire un petit calcul en réalité pour vous expliquer que l'erreur qu'on fait dans 2000 amas, il y a une erreur logique, que quand on mesure les 2000 amas, on se retrouve à chaque fois qu'on va mesurer, on va perdre un petit peu une certaine largeur. Et jusqu'à qu'on va se retrouver finalement qu'en mesurant le 2000 amas, alors on aura perdu 15 amas. D'accord? On va faire un petit peu de calcul. C'est très simple. On mesurait à l'époque avec une corde qui faisait 50 amas. Comme ça, ça va être expliqué plus loin. Une corde qui fait 50 amas. Pour pouvoir atteindre 2000 amas, il fallait le faire combien de fois? 40 fois. D'accord? 50 fois 40, ça fait 2000. Il fallait mesurer 40 fois, mais ce n'est pas exact. Alors c'est vrai qu'on mesurait 40 fois. On a une corde qui fait 50 amas. Donc on se met à l'extrémité de la ville, on commence, vas-y, moi j'attrape, toi t'attrapes de l'autre côté, et on tire, on a tendu la corde, tac, tu t'arrêtes, après moi je viens, et on repart encore 50 amas supplémentaires, et comme ça on va faire 2000 amas. Donc en théorie, on calculait 40 fois. Sauf que ce calcul, il nous faisait perdre systématiquement 2 tfachim et 1 doigt. Soit parce que j'attrape la corde et qui dépasse un petit peu. Quand j'attrape la corde, j'ai une amas, un tfach. Et un demi-doigt. Et l'autre qui est de l'autre côté, il perd aussi une âme, un tefar et un demi-doigt. Donc ça fait 2 amot et un doigt. Multiplié par 40, ça va nous faire 40 amas et 40 doigts. 40 doigts, alors 5 doigts, ça fait l'équivalent de... Attendez, là je me trompe. C'est écrit ici dans le Bartanora. Arbaï metzbot, aolim, asarat fachim. Ouais, 4 doigts. 4 doigts, ça fait un tefar. Ça dépend... En fait, ça dépend de quel doigt, avec quel doigt on mesure. C'est avec celui-là ou celui-là. 4 doigts, ça fait l'équivalent de 1 tefar. Donc 40 doigts, ça fait encore 10 tefar. Il s'avère que quand on a mesuré, qu'on a tenu,
on a perdu 40 téfar plus 10 téfar. 40 téfar plus 40 doigts. Donc 40 téfar plus 10 téfar, ça fait 50 téfar. 50 téfar, je me suis trompé. Et je reprends. J'ai fait une erreur. On a perdu 90 téfar. C'est-à-dire, quand moi j'attrape, j'ai un téfar qui part. Et l'autre qui est en face de moi, il perd aussi un téfar. Donc ça fait déjà 2 téfar. Multiplié par 40, ça fait 80. Plus, rajoutant encore les 40 doigts, ça fait l'équivalent de 10 téfar, 90 téfar. 6 téfar, ça fait une amas. Donc 90, ça va nous faire 15 amas. C'est les 15 amas que nous dit Rabbi Shimon. Tu peux jouer avec cette zone grise jusqu'à 15 amas pour aider celui qui était en route, qui n'est pas encore arrivé dans la ville, en lui disant de rentrer. C'est bon, tu peux quand même rentrer à la maison. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'aslacha. Kol tout, c'est là.